petit, on allait à Cotteret chaque année, une à deux semaines en vacances, donc l'été. Donc on a fait un peu tout ce qui se fait avec des enfants jusqu'à mes 15 ans autour de Cotteret. Puis après, je suis revenu depuis 2011 dans les Hautes-Pyrénées et j'ai fait un peu tout ce qui est moyenne montagne. Je ne suis pas non plus un grand sportif. Moi, j'aime être juste dans les Pyrénées, un peu loin de la foule. C'est ce qui permet de s'aérer et de prendre un bon bol d'air frais. Donc ça va être Illhaeus, ça va être Estomes du côté de Cotteret toujours. Je reste vraiment principalement les Hautes-Pyrénées. J'ai pas vraiment, par mon métier, l'occasion d'avoir souvent des soirées à moi étant cuisinier. Mais c'est vrai qu'à terme, si je peux arriver à en faire un bivouac, voire deux, pas forcément seul, c'est des moments que j'aime partager. Donc aujourd'hui, voilà, je le fais seul en quelque sorte, puisque j'invite un compagnon avec moi. Mais sinon, oui, c'est un moment à partager pour moi, un bivouac. Moi, je suis dans le partage. Les Pyrénées, il faut les partager, mais pas à outrance. C'est nos Pyrénées. La montagne, elle apporte une plénitude, un grand besoin d'air frais, on se sent bien simplement, du calme, de la sérénité, tout simplement, de la simplicité et de l'authenticité quand on croise les bonnes personnes. Je me rappelle d'un moment où, mais justement, après le mariage, on est allé faire les photos de couple en montagne et on a croisé un couple qui, on aurait pu dormir sur place dans cette grange. Quand ils ont commencé à sortir le génépi, ben, c'était soit on s'arrêtait et on pouvait rentrer, soit s'ils continuaient à sortir les bouteilles, il fallait rester sur place. Et, bon, le lendemain, il fallait bosser, donc c'était pas le but. Mais de l'authenticité pure et dure, ce jour-là, il y en avait à foison. Confinement national, école fermée 3 semaines, pas d'attestation de déplacement en 10 km, ça sert à rien du tout. Commerce fermé, début le 5 avril, campagne de vaccination accélérée, faut-il encore qu'il y ait des doses. Et après, il va proposer un agenda pour la réouverture. On est bien en haut, hein. C'était la dernière à 26 semaines. En mars dernier, on a vécu notre premier confinement. Nous, notre génération, on ne connaissait pas vraiment les interdits, malgré que depuis plusieurs années, on manifeste un certain mécontentement. Je pense que là, on a vraiment vu ce que c'était un interdit. Très difficile à vivre quand on vit en ville, alors que moi, j'ai vécu toute ma jeunesse en campagne.
C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on veut se rapprocher de la montagne, parce que être en ville c'est bien, on a tout à côté, mais au final c'est pas ce qui nous apporte notre essentiel. Donc c'est vrai que ben, la toute première chose qu'on a fait le premier samedi où on a le droit de sortir, c'était 5h du matin. Le contact, on a démarré, on est parti à Otaka, mais on a garé la voiture et on a marché sans but, sans le sentier, à la recherche de ce qu'on avait pu louper. On a croisé des cerfs en foison qui avaient repris tout leur territoire. Et c'est bien là, ce qui est dommage, c'est que ça nous a montré qu'on a un impact qui est assez néfaste au final. C'est que certes, on l'a très mal vécu, mais au final, tous ceux qu'on a laissés libres de vivre leur vie normalement l'ont bien vécu. Il semblerait, la nature était juste belle. Donc, c'est à méditer. Est-ce que le tourisme qu'on est en train de voir grandir et grossir, justement dû à ce confinement dans les Pyrénées, est-ce qu'il va être bon à terme ?